Et de toute façon, maintenant, attendez, regardez la boîte, a tremblé. Vlad prend le A4, il pose directement dans le cercueil. Juste pas le générateur, s'il te plaît, la lumière, peut-être plus loin dans le couloir. Et là... Salut à tous, chers amis, c'est Harry Schneff. Les gars, nous voulions commencer une nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez commandé ce grand colis noir? Je n'ai rien commandé, moi. Écoute, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Que c'est une récompense de YouTube pour un bon contenu? Et bon, de toute façon, voici ça fait 4, 2, 3, 4, voici page cachée RIF. Et allons voir rapidement. Alors... Bon sang, les gars, regardez ça, c'est un colis si gros que même le chariot a été abîmé. D'ailleurs, ils ont donné des ciseaux probablement pour ouvrir. Allez, Safik, ouvre-le. Les gars, je ne peux même pas deviner ce qu'il y a à l'intérieur. On va le déballer maintenant et on va sûrement être impressionné. Il faut faire attention, les gars, on ne sait même pas ce qui se trouve à l'intérieur. Les gars, regardez, je vois déjà un coin de ce colis. Impressionnant. Pas mal du tout, quelle belle boîte. Cela semble être un grand jouet. Attends, pourquoi me l'ont-ils envoyé si je ne l'ai pas commandé? Mais là, vraiment, prends un grand plan là. Playtime.co pour Harry Schneff. C'est vraiment le véritable Aggie Waggie. Écoute, j'ai entendu qu'il le distribuait gratuitement à tout le monde, quoi. La usine est ferme, quoi. Et là, les dents si aiguisées. Merde, comme le vrai. Pour être honnête, ça me fait peur d'être à côté de ça. Il est certainement vivant et il va nous manger. Mais comment tu veux qu'il nous bouffe, quoi? Il est encore dans l'emballage, tu le mettras dans sa bouche lorsqu'il te déballera. Alors il nous mangera, c'est nous, quoi. Et écoute, bon, faisons comme ça. Nous avons placé des caméras dans le studio. Observons comment il va se comporter. Regardez, là-bas, vous voyez les caméras que nous avons installées, là. Là-bas, les caméras, là. Et nous allons regarder les enregistrements des caméras cachées parce que je vous assure, s'il se réveille, nous ne serons pas déçus. Et les gars, nous avons compris que vous adorez les vidéos sur le Aggie Waggie. Donc dès que cette vidéo va atteindre 100 000 likes, nous tournerons immédiatement une autre vidéo cool sur Aggie Waggie. Alors tout de suite, descendez, mettez un like et je vous propose les gars d'aller à l'ordinateur où nous avons accès aux caméras cachées. Parce que moi, j'ai peur de rester à côté de ça. Hein? Arthur, moi aussi, j'ai peur, attends. Poshka? Oh, bah alors. Bon, je m'en vais, moi. Attendez-moi, les gars, attendez. Attendez-moi. Bon, Poshka, allons ici. Safik, viens vite. Quoi? Les gars, je vous ai déjà attendu, quoi. Bon, nous allons vous montrer maintenant comment toutes les caméras fonctionnent chez nos montres. Regardez les gars, nous pouvons tout observer, y compris Aggie Waggie, grâce à ces caméras et voir tout ce qui se passe là-bas, vraiment. Regardez ici, juste là, enregistre. Vous voyez, voici sa boîte. Si le moindre mouvement se produit, nous le verrons tout de suite sur les caméras. Je suis simplement sûr que ce jouet va se réveiller à 100%. Il y a pas mal de munitions ici au cas où nous pourrons nous défendre contre lui. Regardez, il s'approche. Bon, et bien pour l'instant, il ne se passe rien du tout. On va rester ici, regarder le jouet pendant 2 heures, quoi. Devrions pas l'ouvrir, c'est tout, quoi. Ça fixe cette usine à fermer pour une raison. Je t'assure que ces jouets sont vraiment vivants. Surtout Aggie Waggie, il peut tuer quelqu'un. Bien, il doit absolument se réveiller maintenant à 100%. Mais non, t'es devenu con ou quoi alors? Ça fixe, seulement 5 minutes se sont écoulées. De toute façon, Aggie... Oh, attendez, regardez, la boîte bouge là. Allez, on va jouer un truc. Les gars, Poshka, tu vois ça? Non, réellement, ça fixe. Tu vois ça de tes propres yeux? Ou peut-être qu'il fonctionne avec des piles? Et c'est incroyable, Safik, de quelle pile tu parles? Les gars, je suis même en train de filmer avec mon téléphone en ce moment. Nous avons simplement des caméras de tous les côtés. Aggie Waggie marche! Incroyable! Il va détruire le studio! Il a fait tomber une chaise! Est-ce que la porte elle est fermée là? Je incroyable! Sais pas. On dirait qu'il explore le studio. Mais attends, s'il y a quelque chose là-dedans, c'est la merde. Safik, je te l'ai dit qu'il était vivant, on aurait dû s'en débarrasser tout de suite. Alors pourquoi on n'a pas jeté comme des cons là, hein? Tu comprends? Nous aurions dû nous débarrasser immédiatement de ce Aggie Waggie. Qu'est-ce qu'il fait là? Et il nous montre maintenant un bouton rouge sur la caméra.
Incroyable! Les gars, je considère ça comme une vraie menace. Agi Wagi, s'il est revenu à la vie, c'est une créature magique et il peut peut-être influencer notre chaîne. Par exemple, désabonner quelqu'un de la chaîne. Alors descendez sous la vidéo maintenant et vérifiez si votre bouton est rouge ou gris. S'il est rouge, c'est très mauvais. Donc, si vous ne voulez pas que Agi Wagi vienne chez vous, descendez sous la vidéo et rendez-le gris. Il se promène dans le studio et il montre encore le bouton. Je n'arrive pas à croire, sa fille. Vous n'arrivez pas à y croire, je connais peut-être pas. Nous devrions appeler la police et nous l'armée, quoi. Pacha, qu'est-ce t'en dis? Je ne sais pas, j'ai eu très peur, je n'en peux plus. Il mesure 3 mètres. Ce sabre est comme un cure-dent contre lui, hein. Écoute, au moins, apparemment la porte elle est fermée, quoi. Nous sommes en sécurité, les gars, je vous assure. Il regarde directement dans la caméra et tient ce bouton rouge. Les gars, changeons la couleur de ce bouton de Agi Wagi tout de suite. 1, 2, 3. Les gars, regardez, Agi Wagi tient maintenant un bouton gris. Ouais, nous l'avons simplement puni. Nous lui avons montré que nous sommes une famille unie. Alors, où c'est qu'il est parti? Les gars, regardez comme il est rapide! Il est monstrueusement grand, les gars, mon dieu! Les gars, il doit mesurer 2 ou 3 mètres de haut! Il est dans l'entrepôt! Agi Wagi est entré dans notre entrepôt! Bon, Sabi, comment changer de caméra ici, hein? On ne presse pas tous les boutons d'un coup, Arthur, mais tu ne sais même pas utiliser un ordinateur, du coup! Alors... Mais où il est dans l'entrepôt? Voilà. Il est là. Filme, voici Agi Wagi. Oh mon dieu, les gars, je n'arrive pas à y croire. Pourquoi est-il même entré dans notre entrepôt? C'est juste absurde. Il regarde Vlad à 4. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Qu'est-ce qu'il prend? Il a pris un tiroir. Les gars, le cercueil. Les gars, Agi Wagi a poussé le cercueil et prend le Vlad à 4. Et il les met dans le cercueil. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, les mecs? Nos caméras cachées dans le studio ont enregistré comment Agi Wagi filme. Regarde, il les apporte directement. Il les met, regarde, il a mis le deuxième directement dans le cercueil, là. Il a décidé de les enterrer tous. Il nous enterrera aussi, oh, les gars. Merde, il faut trouver quelque chose. Et je me demande s'il sait que nous le surveillons et que nous voyons tout ce qu'il met dans le cercueil. Filmer des vidéos sur Agi Wagi, c'est extrêmement dangereux. Donc les gars, juste en dessous de la vidéo, s'il vous plaît, mettez 100 000 likes si vous voulez que nous tournions à nouveau une vidéo avec Agi Wagi. Ou peut-être un autre monstre a été filmé par nos caméras cachées dans le studio. Donc les gars, il a regardé notre caméra et... Il prend l'ours en peluche. Filme. Prends l'ours sous cet angle. Voilà les gars. Pour que vous compreniez bien que nous observons tout, nous avons des caméras sous cet angle et sous celui-ci. Il a pris l'ours en peluche. Mon ours en peluche préféré. Et écoute, Pacha, il semble bien s'en occuper. Et regarde, il le caresse, tu vois. Ouais. Il caresse l'ours en peluche. Même les ours. Et peut-être qu'en tant que jouet, il se comporte bien avec les autres jouets. Écoute. Calme-toi, Arthur, c'est pas ta tête. Regarde, il va arracher quelque chose, quoi. Il déchire tout simplement, putain. Les gars, il arrache. Agi Wagi arrache la tête. Agi Wagi vient de décapiter l'ours en peluche. Pacha, pourquoi tu restes silencieux? Je ne sais pas quoi dire. Il vient de déchirer mon ours en peluche préféré et ça va. Les gars, c'est juste horrible, quoi. Il traite mal les jouets, quoi. Je sais pas ce qu'il va nous faire. Mais bon, il est parti, les gars. Cherchez-le pour l'instant. Allez, suivez-moi, mais suivez-moi. Mais où vas-tu? Je vais vérifier toutes les portes. Qui a laissé la porte ouverte? Vous vous moquez de nous? Surtout, les gars, regardez. Tant que Agi Wagi n'est pas visible, regardez, il y a un long couloir ici. J'espère que Agi Wagi ne nous trouvera pas sur le plateau parce que nous avons des couloirs compliqués ici. Fermons les portes. Je l'ai dit à sa fille qu'il ne faut pas s'approcher d'Agi Wagi et que ce jouet est vivant. Allons voir ce qu'il fait là-bas, là. Regarde, tu filmes? Regarde, il sort de l'entrepôt, il regarde directement la caméra. Sa fille, je te le dis, il sait que nous l'observons directement. Regarde, il regarde directement la caméra. Écoute, peut-être qu'il a juste essayé de regarder. Putain, il a des dents, waouh, c'est juste horrible. Pacha, où c'est qu'il va? Je ne sais pas, il se dirige quelque part vers les boîtes, les trépieds, je ne sais même pas ce qu'il pourrait y être. Les gars, il regarde délibérément directement les caméras à travers lesquelles nous l'observons. Vas-y, mets-le. Il prend quelque chose. Que va-t-il chercher là-bas?
Réfléchissez par vous-même, il n'est pas là. Il y a quelque chose dans les bas, une porte, regarde. Peut-être voulait-il retourner dans la boîte. Il entre dans la chaufferie. Bon, où sont les caméras? Alors attends, je vais changer là. Regardez, il est entré dans une autre pièce. Regarde, il regarde la caméra. Attends, il regarde la caméra. Regarde, attends, tu vas lui sonner la main, bon sang, s'il pourrait lui faire exploser. Il a levé la main. Stop. Attends. Hé, qu'est-ce que c'est? Les caméras sont coupées. Attends, laisse-moi régler ça. Merde. C'est un sacré diable. Merde. Toutes les caméras sont coupées. Regardez, erreur H265 plus je vais vérifier au tableau de commande. Allez, Safik, bonne chance. Pacha, allons-y, essayons de faire quelque chose sur l'ordi, là. Essaye d'installer ça, peut-être qu'on réussira à le faire redémarrer. Les gars, en réalité, il est possible que les caméras se soient éteintes parce que, soupçonnons-nous, le gardien qui protégeait l'usine Poppy Playtime a disparu. Et tu comprends, il y a des soupçons qu'il s'est infiltré dans Aggie-Waggie, donc peut-être que Aggie-Waggie est le gardien, juste celui qui s'est infiltré dans Aggie-Waggie. Alors on comprend pourquoi il s'y connaît si bien en électricité et il nous a coupé toutes les caméras. Ouais, le plus important, c'est qu'il sait où sont les caméras. Il étudie peut-être simplement le territoire en tant que gardien et met en place ses propres règles. Bon, il faut bien que ça se répare, hein, non? Les gars, c'est bon, je l'ai réparé le fusible. Bon, là, je vois. Regardez, le voilà. Écoute, il est à peu près là. Eh bien, dans la pièce où il y a des boîtes. Eh bien, regarde, il détruit tout ici. Attends, Il a pris ce chiffon rouge, quoi. On dirait qu'il réagit comme un taureau rouge, quoi. Regarde, c'est marrant. Il prend un seau vert. Nous avons lavé le sol avec ce seau-là. Prends-le de cet angle pour que les spectateurs sachent que tout se passe en temps réel. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire maintenant? Mais il est complètement quoi. Il y a de l'eau sale partout là-bas. On nettoie pas l'eau avec... C'est du thé? Mais bien apparemment, ouais, des sachets de thé, quoi. Je me souviens pas que j'ai laissé sur la table. Waouh, il joue gros avec ce thé, là, putain. Il a vidé tout le thé. Regardez comment il a jeté la boîte. Vous comprenez qu'il a pris ce seau d'eau sale, il a mis des sachets de thé pour une raison quelconque et a commencé à boire tout ça. Et il boit ce thé fort, savez-vous pourquoi? Réfléchissez, Pacha, je te l'ai dit, il était gardien avant. Ce sont probablement ses anciennes habitudes de gardien. C'est pourquoi il a décidé de boire du thé. Regardez, il boit cette petite tasse de thé, boit. Regardez, il a bu. Alors, il a reposé la tasse. Bordel, putain, il boit de l'eau sale, le mec. Merde, c'est dégueulasse. Il détruit tout simplement. Non, qu'est-ce qu'il fait? Non. Surtout non. Pas le générateur, ouais. S'il vous plaît, non. Non, pas le générateur. Merde, le générateur. Et les caméras se sont éteintes. Vous comprenez, maintenant nous ne pourrons pas surveiller Aggie-Waggie avec les caméras cachées. Nous devons partir à sa recherche à partir de cet instant. Mais t'es sûr que c'est sûr, quoi, mec? J'ai pas envie. Nous n'avons pas d'autre option. Putain, eh bien, il faut absolument connecter le générateur. Moi, il est dans l'angle opposé, quoi, de ce bâtiment. C'est la merde. Ouais, et personnellement, ça ne me plaît pas que Aggie-Waggie se promène ici. On ne sait pas comment. Mais bon, d'accord, il y a des lampes de poche ici. Tu veux bien, c'est à Bruno les Alistés, quoi. Pacha, prends ça. Oh! Allons-y, passons. Il faut au moins allumer le générateur, sinon il n'y a plus de lumière du tout. D'accord, les gars, soyez prudents. Nous devons être prêts à tout moment. Heureusement que l'éclairage de secours fonctionne au moins. Pacha, allez. Les gars, avancez dans le couloir avec le plus de précautions possible. Allez. Regardez des deux côtés, quoi, s'il vous plaît, les gars. Les gars, regardez ça, qu'est-ce que c'est, ça? C'est une feuille de papier. C'est tout eux qui l'a laissé tomber. C'est apparemment Aggie-Waggie. Je vous suis. À bientôt, on se retrouve. Et les gars, il rôde et habite quelque part ici, Aggie-Waggie. Écoutez, putain, il faut continuer à avancer. Nous n'avons pas le choix, les. Peut-être plus loin dans le couloir et ensuite. Regarde cette gueule! Nous devons rapidement trouver quelque chose! Écoutez, trouver un objet, quoi, comme un marteau, quoi, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose dans notre studio, les mecs! Et puisque chaque jouet a un mode d'utilisation, comment l'utiliser et tout, peut-être que Aggie-Waggie là aussi, c'est marqué comment le désactiver. C'est vrai, les gars, il doit y avoir quelque chose dans la boîte! Safik, attends, vas-y plus lentement là, hein! Il y a vraiment des papiers ici!
Les gars, on est comme d'habitude, je suis sûr que vous le faites aussi. D'abord, vous commencez à utiliser et ensuite vous lisez le manuel quand tout est cassé. C'est ce que tout le monde fait. Attention, si votre jouet est en panne, il vous suffit de l'attirer dans sa boîte. Pour cela, utilisez la télécommande qui est livrée avec ce jeu. Nous avons vraiment dysfonctionnement, que faire alors? Et où est la télécommande? De quelle télécommande on parle là-dessus? C'est sûr qu'elle n'est pas là? Il n'y a rien ici. Peut-être qu'il l'a emporté avec? Pour nous empêcher de l'utiliser. Et les gars, vous êtes sûrs de ne vous souvenir de rien? Peut-être que Agi Wagi cachait quelque chose, ou peut-être que nous n'avons pas remarqué quelque chose. Écrivez-le dans les commentaires s'il vous plaît, parce que nous n'avons pas vu la télécommande de Agi Wagi. Essayons de trouver cette télécommande nous-mêmes. Alors maintenant, allons dans différentes directions et essayons de la trouver autant que possible. Ok les gars, merde, tout est renversé ici, il y a des balles qui traînent ici. Eh bien, il n'y a pas de télécommande, ici la télécommande devrait être une petite télécommande avec un petit truc rouge comme ça. Je vais laisser mon fusil tactique de Fortnite ici pour qu'il ne me dérange pas. J'espère que Agi Wagi ne profitera pas du moment où je suis désarmé pour m'attaquer. Eh bien, je ne prends aucune télécommande ici, même pas sous les Lego. Aucun indice n'est rien. Donc la mousse au fond, je n'ai pas l'idée où ça peut se trouver. Peut-être là. Hello, il y a quelqu'un ici? C'est ici que se trouvait Agi Wagi. Regardez, il y a la tête de l'ours qui l'a arraché. Ah, quel gâchis! C'est ici que Agi Wagi a jeté les Vlad A4. Pourquoi les a-t-il mis dans ce cercueil? C'est très étrange. Vladik ne mérite que le meilleur. Au fait, les gars, c'est le costume de Popit. Nous étions juste à la recherche d'un homme Popit. Alors nous avons fabriqué notre propre costume pour infiltrer leur gang. C'est une voiture télécommandée. D'accord, tant qu'il y a des piles... Je crois que j'ai une idée. Les gars, regardez. J'ai trouvé une voiture télécommandée. On peut utiliser pour distraire Agi Wagi. Il n'aime pas les jouets. Il sera obsédé à 100% par elle et la chassera. Mais comment on va trouver la télécommande alors? Je vais conduire cette voiture et distraire Agi Wagi. Et vous allez réparer la lumière. C'est pas une mauvaise idée. Avec la lumière, nous pourrons certainement trouver la télécommande, les mecs. On peut aussi mettre une caméra d'action ici et on pourra même voir où est Agi Wagi. Et on peut s'éloigner en voiture en plus. Ah, donne-moi la GoPro. Cool, les gars, ça y est, je l'ai. La GoPro va tout surveiller. Et si on voit Agi Wagi, alors là, ça y est, c'est fait. Et si je le vois, je me casse tout de suite. Et vous allez trouver un moyen d'allumer l'électricité. Alors, il est vraiment pas là, hein? Il n'y a aucun moyen de le savoir, alors. Agi Wagi, hop là, et bon, allez. Ok, Boschka, maintenant c'est notre tour! Ouais, apparemment il n'y a personne! Les gars, j'ai regardé sur mon portable, il n'y a certainement pas de Agi Wagi dans les environs, alors allez-y et je vais essayer de voir où il est! Je ne comprends pas! Les gars, regardez! Il est là, Agi Wagi! Merde, il frappe à toutes les portes là! Bon, merde, la voiture a un signal faible, je vais essayer de me rapprocher de lui alors! Alors, tranquillement, je crois qu'il m'a vu. Non. Oh mon Dieu, les gars, il va m'avoir là. Merde, les gars, la voiture télécommandée a été saisie par Agi Wagi. J'espère que j'ai réussi à le distraire pour que les garçons puissent allumer la lumière. Attendez, je crois qu'il n'y a personne. Vraiment, il n'y a rien, il est montré. Oh. Fucking Lucky. Merde, il fait nuit, bien sûr. Posca, c'est un bâton et on appuie sur la porte, alors. Ouais, d'accord. Sinon, tout d'un coup, Agi Wagi, bonsoir, va pencher la voiture et entrer dans ses pièces. Voilà. Comme ça, il n'entrera pas. L'essentiel, c'est qu'il soit pas là. Il va être là-bas, vivant. Attends, je sais pas ce qu'il peut y avoir sur les mains, quoi. Ils sont poilus, quoi. Il va faire sûrement des pouces, un truc chelou, quoi. Burk, n'en parlons pas, ça me donne envie de vomir. Où est ce putain de générateur? Le voilà, regarde, moi, le générateur. Pour l'instant, je vais voir quel est le problème de ce qu'il va faire pour tomber, bon, quoi. En attendant, je vais voir ce qu'il a bu. Ah, voilà ce seau, les gars. Oh non, cette l'eau usée avec beaucoup de thé dedans. Comment a-t-il pu la boire si le thé est à peine infusé et en plus l'eau n'est même pas chaude? Mais vraiment, c'est dégoûtant. On comprend qu'il n'est pas aimé et qu'il ait commencé à tout casser. Parce qu'il semble que je l'ai réparé. Ok, tout l'air. Et voilà, merde.
Ouais, trop fort mec, regarde, c'est tout fait. Oh wow, bien joué, tu as réussi à tout réparer. Maintenant, je commence à rentrer, il faut trouver cette stupide télécommande quoi. Je pense qu'avec l'éclairage, ce ne sera pas un problème. Plus vite. C'est nous. Pourquoi tu n'ouvres pas? Ferme vite, page carrée. Ok, vous avez allumé la lumière. Maintenant, nous devons trouver la télécommande d'une manière ou d'une autre. Mais les gars, pourquoi on a allumé la lumière si on ne trouve pas la télécommande quoi? On peut rester ici dans la lumière aussi longtemps qu'on veut. Ce Haggy Waggy peut revenir et casser le générateur, les mecs. Écoute, je crois, je m'en souviens, nous regardions Pacha à ce moment-là. Il est allé dans la chaufferie comme s'il cherchait quelque chose. Attends. Exactement. Alors... voilà la boîte! Qui est-il dedans? Les gars! La télécommande! Le voilà, l'extincteur! Il faut juste appuyer comme ça pour que Haggy Waggy s'éteigne! C'est vraiment cool quoi! Et ça brille aussi en plus! On dirait des signes de vie d'Haggy Waggy! Alors, vous êtes prêts à affronter ce monstre? Et je crois qu'il est parti! J'espère qu'il a sommé quelque part avec nous pour dormir tranquillement! Ouais. J'entends quelque chose, des bruits de pas, je crois! Les gars, regardez, il arrive! Et les gars, il tient un ordinateur portable avec toutes nos vidéos dessus! Stop! Stop! Où va-t-il? Où c'est qu'il va? Il est énorme, mais... Et notre ordi là? Il revient vers sa boîte! Attendez, donne-moi l'ordinateur portable! Fermons-la! Cette chasse était très sérieuse et avant de nous lancer, nous avons même dû partir en mission, les gars, avec notre équipe, avant de partir à la recherche de Sonic Exy pour consulter un expert étranger qui a fait des recherches sur Sonic Exy. Les gars, il parle une langue étrangère, mais nous avons demandé un interprète et vous allez tout comprendre. Bonjour, je m'appelle Dr. Ivo. Cela fait des années que j'étudie Sonic, par exemple, et tous les autres animaux merveilleux. Un jour, j'ai remarqué que Sonic se comportait bizarrement. Vraiment. Son apparence a changé, et ses yeux sont devenus rouges, et il avait un sourire démoniaque. Et depuis ce moment, j'ai eu l'impression qu'il m'observait et même qu'il m'étudiait. Et alors, j'ai même dû déménager en Russie pour m'éloigner de lui, vous comprenez? Mais d'après ce que vient de me dire Artyom Arishniev, ce démon a fait son chemin jusqu'ici. Et alors, je suis sûr qu'il me cherche dorénavant. Bonjour à tous, chers amis, je suis Arishniev et aujourd'hui avec moi... William Bruno, ce chercheur d'être maléfique. Et vous savez qui d'autre est avec moi aujourd'hui? Ça fait qu'un, deux, trois et quatre. Les gars, je suis avec tellement ici, quoi. Moi et les gars sommes arrivés au centre de recherche abandonné où Sonic Exy a été vu pour la dernière fois. Pas dans celle-ci. Maintenant, faisons un tour dans cette zone parce que ce bâtiment est vraiment très grand. Je veux tout voir ici, monter sur le toit et essayer de trouver des indices sur l'endroit où se trouve Sonic Exy. Oh non, je monte pas sur le toit, moi. C'est dingue, les gars, regardez ça. Sonic a peut-être cassé le plafond, ou alors il tient qu'à un fil. Et la plupart du temps, il est sur le toit. Et c'est là qu'on l'a vu pour la dernière fois, parce qu'on peut s'accélérer sur le toit. Et comme vous le savez tous, Sonic Exy aime la vitesse. Les gars, ce centre de recherche est aussi grand que possible. Il fait plus de 1000 mètres carrés. Il y a plusieurs bâtiments. Séparons-nous. Pendant qu'il fait jour, nous allons jeter un coup d'œil. Et si vous voyez des signes de Sonic Exy, vous pouvez me contacter par radio, d'accord? Ouais. Vous avez vos Takiwoki? Ouais, je les ai dans ma poche. Alors d'accord, on reste en contact par radio. Safik, donne-moi le drone. Pour le drone? Ouais, ne perds pas alors, hein. Regarde le rez-de-chaussée. Toi, Safik, tu montes au deuxième étage. Et moi, je vais essayer de m'approcher du toit. C'est tout. Fais attention, car c'est là qu'on trouve le plus souvent Sonic Exy. Et donc, ce n'est pas pour rien que je l'ai appelé démon. Et le fait est que Sonic lui-même était un hérisson. Mais Sonic Exy est une entité complètement différente. Sonic Exy, alias Exetor, est un archidémon qui s'est échappé de son emprisonnement à cause des crises incessantes de Master Emerald. Et il s'est réfugié dans le corps de Sonic et le hérisson. J'ai fait le tour du rez-de-chaussée, il n'y a vraiment rien.
Alors j'ai décidé de monter un peu plus haut. Ça fait qu'elle est de toute façon au 5e ou 6e étage. Je vais aller voir au 2e et au 3e. Il y a une tour circulaire qui monte tout en haut. Apparemment, elle a été créée par des scientifiques pour passer rapidement d'un étage à l'autre et partager des informations sur Sonic XJ. Je suis monté un petit peu plus haut, mais c'est vraiment effrayant parce qu'il y a plein de trous ici. Regardez, regardez les gars, ici là, regarde. Oh, il y a une échelle qui monte ici là. Il y a quelque chose, les gars, j'ai peur. Vous enlevez l'échelle, c'est le bordel. Putain, les gars, oh, j'ai le vertige. Je sais pas pourquoi Artyom, il est pas là, il m'a donné des étages élevés, quoi. J'aurais dû rester au rez-de-chaussée. Bon, les gars, j'ai des ordres et je dois le faire. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire. Oh, opérateur, fais attention, s'il te plaît. Putain, merde, les gars, c'est probablement à 100 mètres. Il faut faire attention aux trous dans vos pieds, quoi. Ils sont peut-être couverts de carton, quoi. Ce sont des échelles très fragiles. Comme vous pouvez voir, il y avait des ascenseurs ici. Voici la cage d'ascenseur. Elle est très profonde dans un sens et dans l'autre. On peut regarder en bas. Mon montre, gars. On voit pas le fond, regardez. Et monte le toit, c'est... Oh. Fais attention, d'accord? Et on peut aller à cet étage et pour voir ce qu'il y avait ici. Ce centre de recherche étudie l'histoire de Sonic XJ depuis des décennies, les gars, pour comprendre pourquoi il est venu dans notre monde. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, les scientifiques n'ont pas réussi. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour regarder de plus près l'histoire de Sonic XJ et de voir de quoi il s'agit. Il faut être prêt à tout moment, ouais. Il faut sortir son Takiwaki et alerter sur quelque chose, car il n'y a pas des trous qui peuvent être dangereux, mais c'est aussi Sonic lui-même. Et ouais, regardez cette pièce là, on dirait qu'elle vient d'être couverte de papier peint, ouais. C'est peut-être l'appartement de Sonic XJ. Et je ne pense pas qu'il y ait une raison pour que quelqu'un ait cassé un mur. Je veux dire, les gars, vous savez, je veux vous les casser un mur, quoi. Il sera impossible à casser. Ce sont des forces vraiment puissantes ici, quoi. Et les gars, je suis presque sûr que c'est Sonic XJ. Dans le sol. Comme vous le voyez, c'est un plancher très fragile, alors il faut vraiment... Attention, sortons d'ici, c'est pas sûr, c'est vraiment pas sûr. Allons dans la zone principale de l'étage et voyons ce qu'il y a ici. C'est ici que se trouvaient probablement les chambres des scientifiques où ils dormaient et travaillaient en même temps sur la question de Sonic XJ. Je n'aime pas vraiment cet endroit, quoi. Je suis allé aux toilettes, il faut que je parte d'ici, quoi, parce que Arthur va s'en apercevoir, il va rire. Oh là 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 là, les gars, regardez, je sais pas ce que c'est ce truc. Oh. Bon sang, les gars, c'est un long tunnel. Est-ce que je vais pouvoir aller passer là-bas, quoi, ou pas? Je sais pas, essayons, on va voir. Le plafond est tellement haut ici, putain. Il y a des bâtons qui dépassent. La seule chose qui compte ici, c'est que je fisse pas sur ce bâton. Non, c'est ridicule. Quel genre de mur est-ce, putain? Les murs ici sont en carton. Je suppose que Sonic XJ les a vraiment tous détruits, c'est sûr. Le métal est tordu. Il faut frapper de toutes ses forces. Ouais. Les gars, regardez ça. J'ai vu le même œil à l'arrière de la tête d'un soldat. Je vous assure, je pense que c'est le signe de cette... C'est le signe de cette base, en certain, quoi. Centre de recherche. Oh, les gars. Ok, passons à quelque chose. Oh, c'est quoi? Je sais pas, peut-être que j'ai imaginé, mais c'était juste un peu effrayant, quoi. Je crois qu'il faut aller plus vite dans le couloir, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Oh, les gars, je crois que des chamans ont pas leur statut ici pour sauver ce bâtiment. Putain de Sonic XJ. Vous savez, même si c'est pas mon premier jour de recherche de créatures démoniaques, c'est toujours comme si c'était la première fois. C'est incroyablement effrayant pour moi de réaliser qu'il y a des créatures qui vivent dans notre monde. Les gars, venez ici tout de suite! Les gars, quand je suis arrivé, ils étaient déjà là. Regardez, ils viennent de là-bas, voilà. Comme ça, et ils sortent par la fenêtre. Tu es sûr que c'est pas toi qui as dessiné tout ça? Artyom, ce n'est vraiment pas le jour pour faire des blagues. Je te le dis, ils sont déjà passés par là. Je vous le dis, ce sont des méga... Je ne pensais pas qu'on trouverait ces preuves aussi rapidement, les gars. Je veux dire que ce sont les empreintes de Sonic XJ. Les gars, je propose d'appeler l'armée tout de suite, quoi. De préférence un hélicoptère. Nous n'avons plus de militaires depuis la dernière fois. Cette fois-ci, il n'y a que nous trois. Attends. La radio a encore un putain de problème. Allô, les militaires? Vous êtes là? Il y
Y a plus personne. Les militaires sont partis. La plupart des origines de l'exécuteur sont inconnues. Et ce que l'on sait, c'est qu'il fait partie des démons supérieurs qui ont participé à la création de la vie sur Mobius. Et pour l'instant, je ne peux pas vous dire comment il est possible de le vaincre. Mais cependant, je poursuis activement mes recherches. Et je serai peut-être en mesure de vous donner ma réponse très très bientôt. Mais je peux vous dire une chose, ne vous approchez pas de lui, car ce démon est extrêmement dangereux. Et vous pouvez vous attendre à quelque chose de très dangereux de sa part. Les gars, quand on a vu les traces de pas, on a eu vraiment peur. Et on n'a pas de militaires avec nous pour nous protéger. Alors, attends. Et c'est pourquoi nous avons apporté ces armes avec nous, mais n'ayez pas peur, ce sont des armes avec des somnifères qui pourront désarmer et endormir Sonic Exy si on le rencontre. L'essentiel, c'est de pas s'endormir, quoi. Les gars, c'est très puissant. Regardez comment ces capsules de somnifères tirent. Si on rencontre Sonic Exy, il n'a aucune chance. Les gars, étudions attentivement la zone. Même s'il s'agit d'un somnifère, tout appareil de ce type doit être manipulé avec précaution. Nous ne sommes pas allés dans cette partie du bâtiment. Essayons d'y entrer. Les gars, les empreintes de pas, elles mènent jusqu'ici. Allez, on va par ici. Les pneus bougent, ils sont bancals. Alors, Safik, fais attention. Ce sont probablement des pièges de Sonic. Les gars, on ne sait pas ce qu'il y a ici dans ces déchets. Alors, faites attention avec vos pieds. Il y a peut-être des pièges dedans. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Tiens, Bruno, je crois que je l'ai vu. Je crois que quelqu'un a couru par là. Peut-être que ce n'est pas le cas. Allons voir ce qu'il en est. S'il y a quelque chose, tirez! Je l'ai peut-être imaginé. Allons vérifier. Juste au cas où si sa fille passerait par là. Oh, Sonic! Les gars, nous sommes sur la piste de Sonic Exy en ce moment. Jetez un coup d'œil, ce sont ses traces. Nous devons être aussi prudents que possible, les gars. Regardez, il peut même marcher sur les murs. Si ça se trouve, je vais lui tirer dessus tout de suite pour qu'il prenne ses somnifères. Très bientôt, très probablement, nous rencontrons Sonic Exy face à face. Les gars, faites attention. Il faut être le plus prudent possible. Nous suivons les traces. Les voici, Sonic. Merde, Bruno! Silence! Tire! Les gars, il est monté là-bas, sur le toit, là! Ça y est, on a rencontré Sonic Exy! Les gars, je vois ses empreintes! Attention! Allons sur le toit, mais le plus prudemment possible! On se rapproche de plus en plus de Sonic Exy! Merde, préparez vos armes! On me suit. Les traces sont terminées. Il peut être n'importe où. Il faut donc être le plus prudent possible. Surtout que nous sommes à découvert. Le terrain. Oui, voilà. Les gars, je vais faire le tour par l'autre côté. Bon, les gars, au moins, on n'a pas peur ici. Parce qu'il y a de la lumière et un espace ouvert, quoi. Mais il pourrait vraiment sauter de là-bas, quoi. Faites attention à ces trous. Il pourrait être aussi par là, quoi. Bon, je crois qu'il y a quelqu'un là-dedans. Où? Sur l'étage. C'est un oiseau, les gars. Gardez les yeux ouverts. Les gars, je pense qu'il nous a trompés. Parce qu'en réalité, il y a des traces de pas là-bas. Il y a des pas le plus ici. C'est reparti, il a échoué, quoi. Mais regarde, je crois qu'il est parti. Il n'est plus là. Attendez. Les gars, regardez le sol. C'est comme si Sonic Exy roulait en mobylette. Des traces de pas rouges comme ceux de Sonic Exy. On sait pas trop ce que c'est. Je pense qu'il s'agit de symboles ou de signes. J'ai un drone ici, les gars. Je vais le lancer maintenant et on verra ce qui se passe, quoi, les gars. Ouais. Lance-le et nous verrons ce que c'est sur le drone, d'accord? Et puis je vais voir s'il est dans le coin, quoi. C'est pas comme s'il pouvait disparaître, les gars. Il peut pas disparaître comme ça. Écoutez, les gars, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est la lettre O, c'est ça? Mais ça fique plus haut, allez. Donc je comprends bien qu'il s'agit d'une sorte d'inscription, oui? Ben, on dirait que c'est une combinaison des mots anglais. I'm God. Qui se traduit par je suis Dieu. Attends, j'ai lu que Sonic Exy laissait des inscriptions comme ça. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est la preuve que Sonic Exy n'a pas encore quitté notre monde. Ça pique. Mets le drone en mode automatique et regardons autour de nous.
Ben, il faut qu'il y ait des images. Même s'il nous arrive quelque chose, au moins ces images seront sur Internet et les gens sauront tout sur ce Niekaze. C'est ça, j'active le contrôle automatique maintenant. Le drone est en pilotage automatique. Je tourne un coup d'œil à toute la zone. Et dispersez-vous sur le toit, mais avec le plus de précautions possible. Safik, accompagne quelqu'un, car t'as pas d'armes. C'est ça, Safik, allez, viens avec moi. Je voulais dire aux gars, vous voyez juste qu'il n'était pas sur le drone en ce moment, quoi. S'il y a quelque chose, écrivez dans les commentaires ce qui va pas, quoi. Et vous, si vous voyez ça, Niekaze, écrivez-le aussi dans les commentaires. Il faut regarder par les fenêtres avec prudence. L'essentiel, c'est de regarder très attentivement. Attendez, j'ai vu quelqu'un là-bas, ouais. Peut-être n'importe où, vraiment n'importe où. Ce Niekaze est tellement rapide que même si on le voit, et il n'est plus là. C'est possible qu'il soit là, c'est lui qui s'imagine des choses, quoi. Allez, le drone, filme tout. Oh, il pourrait même sauter du toit au tout moment, quoi, de là tout en haut, quoi. Alors, regardez bien, les mecs. Le plus effrayant, c'est qu'il est tellement rapide qu'il est presque impossible de combattre. Les gars, vous avez vu quelque chose là-haut, non? Non, on voit rien! Il est probablement quelque part dehors! Quelque part de ton côté, probablement! Il y a personne ici, du moins, je ne vois personne, moi. Ouais. Le drone à commande vocale, faites-le voler jusqu'à moi, c'est un truc cool, les gars! Vous pouvez le contrôler avec votre voix. Très bien, je vais sortir par là, j'ai besoin que vous gardiez un œil sur moi, d'accord? Ah. Mince, les gars, je ne vois ce Sonic Exy nulle part. Je crois qu'il a... disparu quelque part, les mecs, ouais. Peut-être qu'il a vu qu'on avait des armes avec des somnifères et qu'il a eu peur de nous. Les gars, il faut appeler par radio les forces armées ou les forces spéciales. On ne peut pas s'occuper de Sonic tout seul. Vous vous rendez compte qu'il peut courir absolument n'importe où. Voilà. Les militaires, il y a quelqu'un. Réfléchissons, nous sommes sur le toit. En gros, s'il est en bas quelque part, on va le voir de toute façon. Nous avons des somnifères très puissants. Vous comprenez que si nous touchons Sonic Exy une seule fois, nous l'assommerons à 100%. Ok, bon, pour ne pas risquer sa fille, il reste ici sur le toit avec le drone. Et toi et moi, nous allons entrer dans ce bâtiment et regarder tous les étages. C'est bon, je suis ici avec le drone. Tu seras avec le drone et tu resteras en contact avec nous par radio à tout moment. Et nous, les gars, en cas de besoin, nous aurons cette caméra juste ici. En cas de besoin, vous pourrez nous voir depuis le drone. Et cette caméra... Doucement. Voilà, je l'ai testé, c'est bon. On va tester toutes les munitions, bordel. D'accord, Safik, prends le contrôle du drone, prends note de tout ce qui se passe, et RTM et moi, on va aller dans l'immeuble voisin pour vérifier tous les étages. Garde un œil sur moi, quoi. Je ne veux pas que Sonic Exy débarque. Et toi aussi, garde le contact. D'accord. Laisse le drone voler plus haut. Allez, plus haut, Safik. Comme vous pouvez le voir, les gars, ils sont là-bas, quoi. Je suis juste derrière eux, quoi. Ils s'agitent leurs bras comme ça, ouais. Safik, super, on te voit. Et Bruno et moi sommes ici pour enquêter en ce moment. Tiens ton arme, Artyom. D'accord, maintenant, attends. Nous avons un chargeur plein de munitions. Nous allons chercher Sonic Exy. Allons-y. Tire sur tout ce que tu vois, Artyom. Au cas où, juste quelques tirs d'essai. Sonic Exy, je tire. Qu'est-ce que t'as? J'ai cru apercevoir Sonic Exy. Je te vois pas. T'es parti. Il y a un tunnel noir. Attends, va vers la fenêtre. Safik, nous voilà à la fenêtre. Tu nous vois? Je vois. Safik, tu nous suis bien, d'accord? Ne nous perds pas de vue, s'il te plaît. Je vous regarde. Artyom? Attends, Bruno, qu'est-ce que c'est que ça? Ne veux pas le toucher, regarde, c'est un disque! Une sorte de corde, quoi? Un disque? Et montre-le au drone, je veux que tout le monde le croie! Safik, fait un gros plan pour qu'il y ait au moins des prises de vue de drone! Les gars, on a vraiment de la chance parce que derrière nous, de la... Il y a un Sonic Exy dans la pièce d'à côté! Quoi? Quoi, Safik? Je dis que Sonic Exy est dans la pièce d'à côté! Il est là! C'est Sonic Exy! Poursuis-le! Putain de merde, mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Je ne les vois pas, il a disparu quelque part! Bruno, il doit se diriger vers le toit, monte là-haut, là-bas! Mais cachez le disque pour garder cette preuve avec nous! Ouais, allons sur le toit! Montons-le sur le toit!
toit, sur le toit. Je contrôle le toit, s'il y a quelque chose à faire. Je te vois, Safik, y'a un Sonic. Ouais les gars, je ne crois pas que je puisse vous voir. Safik, mais tu dois tout enregistrer sur la caméra. Filme tout. Il est sur le toit quelque part. Mais où est Sonic, putain? Mais sur qui il tire là? Bzio, je vois rien. Tu vois Sonic? Il y a quelque chose de cassé dans mon arme. Ok, je pense que c'est bon les gars, tout va bien, nous contrôlons la situation. Merde, mon arme ne sert plus à rien. Tu n'as plus de munitions ou quoi? Et la gâchette est bloquée, allons-y. Heureusement que j'ai encore une arme. Sur quoi tire-t-il? Il y a des trous là-dedans. Les gars, il faut être le plus prudent possible. Il est à 100% quelque part sur le toit. Nous ne devons le toucher qu'une seule fois. Allons, plus haut, encore plus haut. Allez, on y va. Je pense qu'il est là-haut quelque part, probablement. Allez, dépêche-toi. Sonic n'a plus aucune chance de s'en sortir. Silence! Sonic XI! Les gars, je suis encore plus grand maintenant! Les gars, c'est urgent, il y a Sonic XI sur le toit! Safik, attends, qu'est-ce que tu dis? Oh les gars, mon drone est en train de s'écraser, putain de merde! Allô, Safik! Je dis Sonic XI sur le toit! J'ai un drone qui est en train de se casser! Bruno, il est là! Je suis dessus! Safik, on ne sait pas si on a touché Sonic ou pas. On a déjà plus beaucoup de munitions. Mon arme est bloquée, Artia, putain. Safik, notre arme est bloquée. Nous sommes sur le toit. Putain de merde, il fonctionne pas du tout. Non, mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Dites-moi, je vois rien, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Le canon est bloqué. Le canon est bloqué. Il y a Sonic XZ qui arrive droit sur nous. On se tire d'ici. Sortons d'ici tout de suite. Allez, cours, allez, Bruno! Il est hors de vue! Allez, saute! Ah! Merde! Non, qu'est-ce que t'as? T'as tiré la jambe, Sonic! Les gars! Allez, lève-toi! Debout, allez! Les gars, s'il vous plaît, si vous voulez une suite, obtenez 100 000 likes sur cette début de vidéo! Ouais, je voulais aller directement au sommet et m'occuper de Sonic XI! Je vais tous les défoncer, vous allez voir! On va y arriver ensemble, c'est là, juste devant vous! S'il vous plaît, regardez-le, faites-le, s'il vous plaît, allez, faites-le pour nous, faites-le, allez, appuyez dessus pour nous! Vous serez les meilleurs, allez, salut tout le monde!